Ok, d'accord. Mais toi, moi, hier soir, là, j'étais parti sur un site pour faire 20h-8h. Arrivé là, le patron qui m'appelle, faut que j'aille sur Bassas. Alors, je me suis dit, c'est bon, là où je vais sur Bassas, le matin, on termine à 6h. Eh bien, planté, les horaires ont changé. Du coup, là, j'ai terminé à 7h. Alors, toi, je pensais l'avoir ce matin en fréquence, et puis, du coup, c'est râpé, quoi. Ouais, j'arrête. Ouais, dans le quartier par là-bas, dans les bois, à Chy. Ouais, ça va, il m'a dit où il était, ouais, bah j'y vais pas dans ce coin, moi. Ah, tu m'étonnes. avec les pistoles qui traînent par là-bas, il suffit que tu tombes sur un ours, c'est pas bon, quoi. À Chy. Ouais, ça va, bon, ça a l'avantage, il est pas loin de chez lui, ça, s'il y a un problème. Ah bah oui, c'est vrai que t'es Christophe, ça fait un moment que je sais pas aller le voir. Faut dire aussi que de Christophe à chez moi, il y a quelque chose comme 70 km. Bon, c'est pas le bout du monde non plus, hein, mais bon, c'est quand c'est juste en balade comme ça, c'est un petit peu chiant. Ouais. Ah, ça va. Bon, je prends le temps d'aller le voir parce que j'ai vu qu'il avait l'RCI d'occasion avant. Ah, alors l'RCI, c'est vrai qu'ils ont une bonne réputation et tout, et pourtant, c'est des boîtes à QRM. Hein. Ouais, mais c'est pas lui, celui que j'aurais voulu, moi, celui qu'il a, là. C'est le 2250 et j'aurais préféré le 2260. Ouais, d'accord, je vois. T'as besoin d'un chauffage dans ta cabine, à Chy. Oh, j'ai pas besoin de chauffage dans la cabine, ça va, il y a ce qu'il faut. Ouais, non, mais je plaisantais en disant ça, parce que bon, 2970, vu la puissance qui sort, il a un gros radiateur en dessous, ouais. Bah ouais, je sais, ouais, j'en ai eu un, les premières versions de 2970 et X. Mais par contre, ça marche pas de lui. Ah bah tu m'étonnes. Et si on veut, lequel peut y avoir en concurrence, ben peut-être le 9009. Oh oui, à quelque chose près, oui. Ouais, ça va. Tout alors, on va parler aussi du président Bernard Chegoun. Mais celui-là, on l'entend plus. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à choisir entre le 9009 et le RCI, je préférerais encore le RCI car il a un gabarit quand même un peu plus gros. Et là, oui, je préfère. Ouais, Charmette, le RCI, ça peut être fleur, hein. Ouais, autrement, c'est vrai que ça marche bien quand même, hein. J'ai une vieille version chez moi de RCI de 1950. En version Summer Camp. Voilà, Summer Camp 2000DX, c'est de mémoire si je me souviens bien. Dessus, j'ai un souci, c'est au niveau de la pile qui est juste derrière la façade. Alors ça, par contre, quand ils ont fait ça, c'est pas top. Hein. Autrement, c'est vrai que je l'avais débranché en fixe aussi. Et puis bon, ben, la pile a fini par s'user à force. Et tu as tout l'affichage qui part en cacahuète. C'est vrai que c'est un petit peu emmerdant. Mais c'est le seul poste hein, que je connais comme ça, hein, avec ce système à pile au niveau de la façade. Les autres, c'est directement un composant qui se charge, qui reste chargé pour la mémoire. Et ça va très bien comme ça. Là, il a fallu qu'ils mettent une pile directement sur le circuit. Enfin bon, c'est comme ça, Hachi. Ouais, Charlotte, ouais, mais c'est ce qu'il a. Il a repris la dernière, la 9009, là. Il m'a fait voir l'engin. Ouais, ça va, c'est. Il sympa. En plus, il a un format. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un format. Ah oui, ouais, je suis au courant, parce que justement, le dernier QSO que j'ai fait avec lui, c'était avec le 9009. Et il l'a eu d'occasion, justement, chez SAV Radio 33, là, chez Christian. Et il l'a eu là-bas. Bah, tu vois, justement, comme je disais tout à l'heure, ce que je reproche, moi, au 9009, c'est justement son petit gabarit.
C'est, ça me donne l'impression d'un poste de VHF, UHF, un truc comme ça, et là j'aime pas du tout. Je fais pas de racisme du tout, mais je trouve trop petit, quoi. Ouais, bien sûr, mais tu sais que le 9009 c'est pareil, hein, il couvre, je crois qu'il doit couvrir de 25-30 pour la dernière version. Je crois que c'est quelque chose comme ça, quoi. Voilà, j'en ai regardé là, ce week-end, je suis tombé sur un site anglais là, et ils ont des alictos, mais le problème c'est que leur truc, les alictos, ils sont pas très chers. Ah, faut les faire modifier. Ouais, franchement, la question à Christophe, si c'est facile à modifier ou pas. Ouais, autant que si quelqu'un doit s'emmerder avec, autant que ce soit lui qui le fasse, hachi. Ouais, bah, c'est les Alico, je crois que c'est le 5000X ou quelque chose comme ça. Ah, faudra que je fasse curieux un petit peu sur Internet. Si ça se trouve, je l'ai peut-être même sur le forum, je sais pas, je... Ouais, faudra que je fasse curieux. Bah, j'ai vu ça. Alors, sur un site anglais, sur un site belge qui est disponible, il faut compter 159 ou 169 euros. Mais ils sont ouverts au 10 mètres et aux 12 mètres, pas aux 11 mètres. Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Il y a juste une bidouille à faire. Laquelle, je sais pas, mais bon, il y a juste une bidouille à faire. Peut-être un strap ou je sais pas quoi. Là, pour qu'il soit ouvert. Ok, putain, mais il est même moins cher que le Lincoln 2. Ben ouais, apparemment, mais bon, apparemment, ça a l'air d'être un sacré poste avec fréquence mat et tout le bordel. Ben, de toute façon, du moment que tu attaques des multimodes, vaut mieux avoir les deux. Je vois, il y a, je sais plus, 10-15 ans, j'avais un 3009, mais 3009 simple. Avec juste affichage des canaux, et c'est vrai que je me galérais hein, dès que je passais en BLU. Alors en plus, en BLU, en roulant, c'était même pas la peine, quoi. Avec fréquence mat, parce que le Jackson, il est très bien pour faire des X, mais si t'as pas la table de fréquence sous les yeux, et... Ouais, voilà, c'est ça le problème. Si t'as pas la table de fréquence sous les yeux, ben t'es un petit peu dans le caca, quoi. Tu peux pas suivre. Alors quand t'es en train de rouler, ben tu peux pas. Hachi. Non, mais autrement, c'est vrai que je vois le Jackson 2, il aurait été avec affichage des canaux et fréquences en même temps. Ah, je crois que je l'aurais pris direct celui-là. Hein. D'autant plus que parmi les petits postes. Ça a l'air d'être le plus stable de tous. Ah, Charlotte, c'est pour ça que je voulais soit retrouver un RCI, j'en ai raté un de peau, là. J'en avais trouvé un en ref, et puis j'ai traîné un peu, le gars, il n'avait pas sur place. Il venait à m'entendre faire des brocantes, et il m'avait dit qu'on se retrouve là-bas, et j'ai traîné un peu, et malheureusement, il l'a revendu en trois temps. Il avait un gars qui dit plus tôt. Il a vendu 40 euros. Ah ouais, il est pas mal celui-là. 40 euros, ouais. Ouais, il faut pas plus. Hein. C'est vrai qu'au niveau prix, il faut pas plus. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, le gars qui dit plus tôt, ça marchait bien pour l'époque. Ah oui, pour l'époque. Hein. Oui, non, mais bon, c'est vrai que. Après, il faut voir s'il a toujours été en fonction ou pas. Parce que t'en as qui ressortent des vieux postes qu'on passe en vie pendant 20 ans. Tu les mets en route et tout, un mois après, paf, t'as le poste qui cuerte. Là, tu dis merde, fais chier. Ouais, c'est vrai, mais là, c'est un radiateur qu'ils avaient. Apparemment, il était entretenu et tout. Il me disait qu'il le faisait pour 120 ans. Donc, bon, c'était correct. Ouais, affirmatif, ouais. Putain, j'ai entendu monde modulé dans le lointain, là, mais bon, on doit pas trop les gêner, là, c'est très loin. Hein. Ben voilà, j'arrive dans les marais, je m'envoie direction au Gargan.
Ok, ben moi je suis sur la départementale Libourne-Castillon. Je suis là entre les Bigarroux et Saint-Pédarban. Ok, d'accord, ben ça passe encore un peu. Hein. Bon, c'est pas très épais, mais ça passe encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 14 mars, tu comptes aller à Radio Broc? Ah mais c'est pareil, avec les conneries de virus là, en ce moment, je surveille un petit peu partout sur internet, au niveau des salons et tout, ceci, cela, pour voir lesquels qui sont annulés et tout. Et c'est vrai que Radio Broc, là, je surveille vachement, là, pratiquement tous les jours, je surveille justement là sur le site de Radio Broc pour voir s'il est toujours maintenu, quoi. Voilà, j'arrive à l'entrée de Saint-Pédarban. Ok, bon là ça commence à devenir un petit peu limite. Et là je vais atterrir en plein dans les QRM là, de Saint-Pédarban. Donc je vais t'envoyer les bonnes 113-51 parce que je suis sûr quand je vais relâcher, là il y a de fortes chances que j'arrive plus à t'entendre. Les bonnes 113-51 à toi, merci pour ce petit QSO, bonne route à toi, et puis si tu vois Daniel, les 73 à lui. Et ben voilà. Putain, j'ai tellement de QRM dans le coin que ça arrive même à couvrir le bout du Julias. Ah chier, trois coups. La station là pour les 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça marche, les 73 de Dundee 33 là, sur la nationale entre Saint-Pédarban et Castillon-la-Bataille. Ah chier, trois coups, on n'est pas tout seul là-dessus. Battle off the
dernier en bas du côté, c'est un monsieur comme les gens qui sont sur les photos, c'est pas le score. La propac qui arrive, il est 14h55. Ça nous arrive en AM depuis c'est l'Italie ça. Ah oui, canal 5 normal, canal 5 sup. C'est encore un peu trop tôt avant que ça arrive de ce côté-ci. D'accord, ok, compris. Alors le truc que j'ai fait là, comme on a pu voir que ça faisait bizarre, c'est involontairement j'ai appuyé sur le bouton de changement de canal fréquence, et ce qui m'a déplacé la virgule. Donc ça c'est un truc à faire gaffe. De toute façon, ça m'arrivera d'autres fois. Hein. Ah, chi.
Tesla la belette pour Dandy 33 qui t'appelle depuis les environs de Saint-Émilion. J'entends gazouiller dans le lointain, mais c'est beaucoup trop QRP là de mon côté, des 73 la station, là j'ai entendu parler, de la part de Dandy 33, pas très loin de Saint-Émilion en mobile. Là, ouais, enfin, je dois être à 6-7 km de Saint-Émilion, peut-être 10, ouais, dans ces tours de ces alentours là. Ok, là c'est passé un petit peu mieux, là je suis sur les hauteurs. Le 73, la station retournée. Et la bonne roulant de Pamplona, avec le Delta Mike. Et moi de la Delta Mike. Delta Mike. Ok, le 73 retourné, Delta Mike de Dandy 33 ou en BLU 14 km 3301. Opérateur Rémi. Je suis passé dans une zone où j'ai eu pas mal de QRM et puis en plus là j'ai la flotte là qui se remet à tomber de mon côté. Bah bon bref, là j'ai eu pas mal de QRM de mon côté, j'ai compris Marc, c'est tout ce qui a réussi à passer dans les QRM Hachi. Bon, j'imagine que toi aussi tu dois être en train de rouler, je suppose, ou alors c'est moi qui. Bah oui, je suis en train de rouler. Et là, j'étais complètement perdu la station. Bon, bah c'est pas grave. On s'est quand même copié. Hachi, des 73 à toi, reste à l'abri parce que dehors c'est pas terrible. Puis il y a une espèce de vent. J'ai même là tout à l'heure roulé là, sur une ligne téléphonique là, qui était tombée au sol là, sur la route. Comme quoi le vent est bien bien fort là en ce moment. Hein. Ok, bon, ben ça a pu hâte de passer de mon côté. Les 73 et bon après-midi. Ah, si ça passe. Bon, ça a réussi à passer un petit peu, mais bon, peut-être du coup, j'ai pas fait gaffe le village où je traverse. J'ai pas fait gaffe. Alors, si toi des fois tu arrives encore à m'entendre, tant mieux. Alors je suis, je sors de Saint-Christophe-des-Bardes, voilà. Je viens de sortir de Saint-Christophe-des-Bardes, voilà là où je suis, puis là je vais descendre de le trou, et puis alors là c'est sûr, là je vais plus t'entendre pour le coup, Hachi. Ok, mais je suis toujours en train de faire. Ok, bon ben voilà, ça s'est passé exactement comme je le pensais. Du moment où j'étais là sur la hauteur là, de Saint-Christophe, ça arrivait à passer encore. Bon, c'était très QRP, puis là, une fois rendu dans le trou, ciao, j'étais complètement perdu. Ok, à la prochaine là-dessus. Tout à l'heure, là, il y a quelques instants, là, j'ai entendu là, les Italiens qui passaient là sur le canal 5, là, en AM. C'est donc que la propague n'est pas très loin. Hachi, je vais peut-être monter au premier étage, voir un petit peu ce qui s'y passe. Ok, les 73 sont tournés, à plus tard. Bye bye, je t'ai entendu la très QRP, bye bye, mais c'est passé quand même. Ça chuchote derrière, ça chuchote. Ah.
département 47. Bon, c'est juste à côté, ça. Là, c'est du grand local. J'ai fait un tour de galette, mais bon, c'est pas en un seul tour qu'on arrive, qu'on peut être sûr qu'il n'y a personne. C'est parce que là, ça se trouve, je suis passé juste entre deux reprises de micro, c'est bien possible. Des fois, je vais faire deux, trois, quatre tours. Au cinquième tour, paf, je suis tombé sur un QSO. C'est voilà, c'est comme ça. Donc l'idéal, c'est d'enclencher le mode scan. C'est vrai, ça, c'est le Lincoln 2. J'ai toujours pas regardé comment il fonctionnait, le scan. Va falloir que je regarde ça de plus près. Où est-ce que j'ai tout à l'heure? On peut faire un tour, deux tours, trois tours, être persuadé qu'il n'y a personne, puis en fin de compte, eh bien si. En voici la preuve. Ah ouais, c'est bien le seul. Ah ben t'es. Ah oui. Ouais, ben je t'attends un petit parking tout au bout de là-bas. Attention, il n'y a pas trop le choix alors. Hein.
Maximum France, un truc comme ça, tous les coups. Guidage, c'est plus efficace. Ouais, c'est le problème des GPS, ça a tendance à t'amener partout sauf où tu veux aller. Des fois c'est bien parce que ça t'aide, mais il faut faire attention à ce qui t'indique, quoi. Regarde, moi la dernière fois quand j'étais à Jeun, la semaine dernière, ben, j'ai suivi le GPS et il m'a envoyé directement sur le pont. Là. C'est pas faux. Après, moi je sais que j'ai vu, je le règle à ma façon, mais c'est essentiellement pour l'arrivée. Les routes, je vais les regarder, je vais de plus en plus sur le terrain.
voilà, il y a des grands blancs comme ça par moment. C'est comme ça qu'on est persuadé, qu'on pense que, qu'il n'y a personne. Enfin, alors qu'en fin de compte, si. Il y a du monde là. Ah, aussi, c'est des habitués qui sont là. On doit être trop loin. On les entend correctement. Ça arrive doucement derrière, ça gazouille un petit peu dans le lointain. Il est 16h. Ça devrait être bon pour tout à l'heure, ça. Hey, le Portugal. Bon,
Attention, la ville de Lisbonne pour Saint-Émilion qui vous appelle. Attention, la ville de Lisbonne pour la ville de Saint-Émilion qui vous appelle. Ah, j'ai eu un couloir là où j'étais tout à l'heure. J'aurais dû m'arrêter. C'est pas grave. Je crois que là c'est l'Italie là. À tourner la propague. Beaucoup de poussons et des grands sangs partout, voilà. Donc on croise les doigts que...
s'accélère pas plus et que les antennes tiennent debout. Ouais, on tourne, on tourne. Et 73 à vous deux, de 14 km 33 01, Rémi en mobile, pas très loin de Sainte-Colombe, dans ces coins-là. 13 Rémi dans Colombe. Ok, tout ça retourné. Ah, j'étais en train d'écouter justement là avant ça. Attends, ça passait bien. Mais l'autre, il avait des watts derrière. Putain la vache. Il avait la cavalerie d'en route. Ah oui, ok, pour la cavalerie, d'accord. Bon, mais tu passes bien, hein. Ouais, oui, commandante. Ok, ben, je suis bientôt rendu au QRA. Des 73 renouvelés. Bon DX. Bon, je vais être pas mal occupé là au QRA. Ok, merci, bye. Bye.